Bah, merveilleux, c'est le cheval d'une vie, c'est un prince charmant, il fait honneur à tous ceux qu'il aime, à son public, à son éleveur, à son propriétaire, il nous rend heureux. Et bon, moi, je ne suis pas tellement dans le genre à douter beaucoup, mais avec ce cheval-là, je n'ai jamais aucun doute, je lui fais confiance et il se fait confiance. Cette année, vous aviez un peu changé la préparation en le laissant un petit peu au repos après le périple à Hong Kong. Ça porte ses fruits ? Ah ben, ça a l'air. Oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, il a progressé parce qu'il y a, en 2011, je crois que c'était en 2011, il n'avait pas gagné le Gannet, il avait été troisième parce que c'était une rentrée. Là, il rentre et il gagne, facile. Bon. Je pense qu'à Hong Kong, il s'était fait un petit peu mal au pied et du coup, je me suis dit, on va le laisser complètement tranquille pendant 6 semaines et reprendre. Et ça nous empêchait, ça hypothéquait un peu le tout début d'année. Mais après, on peut aller au gazon, on peut travailler. D'ailleurs, je remercie aussi Fred Spanieu, qui est son jockey du matin et qui avait bien vu qu'il était bien aussi. Et puis après, ben, vous montez sur un aigle, vous vous faites toute petite et puis yalla, vous le suivez. Et du coup, on va le suivre dans quelles épreuves à l'avenir ? Bah, prochaine course, le prix d'Ispahan, et puis après on verra. Peut-être le Grand Prix de Saint-Cloud. Merci Corinne. Merci à vous.